Alors, Soon, comme vous l'avez pu entendre, on l'a fait un petit peu parce que c'est passé dans la première émission, pour ceux qui n'étaient pas là. Sachez qu'à chaque fois que Soon fait des kills, tout le monde dans la foule crie « Soon », comme ça, avec cette petite intonation. Ça a commencé quand, ce délire de te, non pas te huer, mais d'avoir l'impression qu'on te hue, alors qu'en fait, on scande ton nom? Déjà, pas que les kills, hein. Même quand je me suicide, ça crie « Soon ». Sinon, je pense que ça arrivait la première fois aux alentours des premiers Battle for LA à l'Overwatch League. D'accord. Et... voilà, je sais pas pourquoi, l'écran s'est mis sur moi et tout le monde a gueulé Soon, je sais pas pourquoi. Mais... Donc du coup, ça a créé un peu ce son qui fait un peu négatif quand on le connaît pas, mais qui devient très drôle et qui est devenu un peu un mème pendant l'étape à Paris, hein, clairement. Exactement. Bon alors, Théance, on va revenir un peu sur une interview un peu plus banale, on va parler de ta vie, de tes enfants, mais également de tes différents personnages. Alors, tu es né dans une famille de joueurs, notamment avec ton papa. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'as commencé à jouer aux jeux vidéo? Alors, très très jeune, hein, ouais. Par rapport à la moyenne. Mon père était fan de jeux vidéo, il avait son premier PC, j'avais 2-3 ans. J'ai commencé à jouer dessus, et puis mon père il a vu que j'étais vraiment accro. Ma mère n'était pas trop d'accord, mais voilà, à 5 ans j'ai eu mon premier PC, j'ai commencé à faire des LAN avec mon père. Et tu jouais voilà. À quel jeu quand t'étais en 99, quand Quake 3 est sorti, c'était la révolution à cette époque. C'était wow, « Quake 3, regarde les graphismes et tout !»« Wow, des polygones !» C'était un bon jeu. Le jeu était fou, ouais, c'était très bon jeu. Donc du coup, t'as tout de suite commencé à jouer un petit peu, même jeune, à des jeux un peu compétitifs, justement, en compétition avec ton père. Ou est-ce que t'étais quand même sur des jeux... Enfin, est-ce que comme tout le monde, t'as joué à Dibou, quoi? J'ai fait Adibou. Il a fait Adibou. On a tous fait Adibou. Il faut mettre les choses dans leur contexte là. Bah, c'est pas toi qu'on s'est fait, c'est le jeu. Il faut le rappeler. J'avais loupé, mais c'est vrai. Du coup, ouais, t'as commencé assez tôt quand même, 99. Mm. Pour toi, le premier jeu un peu avec de la compétition, même avant, tu faisais des jeux contre ton père. À l'époque, il y avait pas d'e-sport, il y avait pas de compétition. C'était plus, t'étais dans un gymnase en LAN avec plein de gens et tu jouais à plusieurs jeux. Donc, je suis passé par tous les jeux possibles, hein, du FPS, des jeux de stratégie. Les jeux de course, Need for Speed Underground 2, ces petits... Tu n'étais pas tout de suite focalisé vers les FPS, tu étais multitask. Quoi. Exactement, je jouais un maximum de jeux possibles, parce que les jeux, à l'époque, ils étaient très durs à avoir, et voilà. Ok, cool. Donc du coup, tu n'es pas seul dans l'e-sport, comme tu en parles, ton père est très très impliqué là-dedans. Aujourd'hui, il a même sa propre structure, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Aera e-sport. C'est ça. Comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il profite de ta visibilité ou pas encore assez? Il profitait à l'époque où je jouais à Shootmania. Ouais. Je représentais Aera e-sport et il a construit comme ça. Maintenant, c'est énormément de travail. Mon père n'a plus trop le temps, donc là, il est un peu en stand-by. Okay. Ouais. Écoute, c'est quand même marrant qu'ils soient investis à fond dans e-sport. J'imagine que du coup, ils t'ont tous les deux, tes parents t'ont poussé parce que déjà, lui était passionné par ça. Ça n'a pas dû être trop dur pour toi de... Parce qu'on pose souvent cette question de comment tes parents ont accepté que tu deviennes joueur pro, si à 2 ans et demi tu jouais déjà à Quake. Mon père, il était à fond, mais il se fait un peu engueuler par ma mère. Hein. Ma mère n'était pas trop d'accord que son fils de 5 ans joue un peu. Hein. Après, tu as eu des résultats quand même jeunes, donc elle a dû prendre des résultats. Je veux dire, tu es rentré dans des compétitions assez tôt, donc elle a dû voir que tu avais quand même la fibre, le talent pour arriver loin. Ça l'a pas rassuré? J'ai découvert la compétition vers 2011-2012 avec CSS. CS d'abord, ouais. J'ai commencé à faire des compétitions et quand j'ai commencé à amasser de l'argent en gagnant des tournois à Shootmania, elle a dit vas-y. Il faisait toutes les flaques de France, il les dégommait tous. Ouais, voilà. Et Quake derrière, enfin du coup après c'était Shootmania, t'as été champion du monde Shootmania il me semble. 3 fois. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me semblait bien. 3 fois champion du monde monsieur. Et comment ça s'est passé pour le passage sur Overwatch? À quel moment tu t'es dit bon là il faut changer de jeu, Shootmania n'avait peut-être pas assez de visibilité d'après toi, t'es passé à Overwatch dès le début? Shootmania, ça commençait à mourir. C'était un jeu développé par Nadeo, donc c'était français, c'était pas ouf par rapport à du Activision, du Blizzard, du Riot. Donc Blizzard, ils ont commencé à annoncer la sortie de Overwatch, et on connaît tous Blizzard, hein, ils aiment bien faire de l'e-sport sur leur jeu. Et d'ailleurs, ils avaient dit que ça allait être axé très compétitif, et avec mes teammates de Shootmania, on s'est dit, allez, on forme une petite équipe de 6 et on se met dedans dès que le jeu ouvre, quoi. Et du coup, c'était qui un petit peu la line-up de 6 du début, tu t'en rappelles? Vous allez retrouver des noms. Hein. Il y a moi, Unko, donc un très bon ami de à moi. Ouais, bien sûr. Il y a Wins, avec son frère Akem. On en a 5 sur 6 déjà. On avait les deux Italiens, Stermi et Al. Stermi et Al, d'accord. Al, oui. Ok, d'accord. On a croisé à la Coupe du Monde. Il fait partie du comité italien. Il était extrêmement sympa. On a discuté avec lui. Très, très cool. Les Italiens sont adorables.
Tu as eu la première année, on va parler d'Overwatch League, on va faire un petit saut dans le temps parce que tu as quand même beaucoup joué avant avec les Rogues et ça a été toute une période assez dingue pour vous. Tu as, comme tu l'as dit, un peu gardé ce groupe d'amis et vous êtes devenu la meilleure équipe qu'on appelle finalement, comment on dit quand c'est pas des joueurs européens, c'est des... Western. Ouais, Western, mais il y a aussi un autre terme, que Foreigner, voilà. Ouais. Vous étiez la première équipe Foreigner à venir exploser les Coréens chez eux. Du moins, vous avez en tout cas en North, enfin aux États-Unis, vous étiez la meilleure équipe, vous avez, je crois, fait quelque chose comme 40 matchs ou 37 matchs d'affilée sans une seule défaite. Oui, on avait fait un bon win streak, mais je pourrais plus te dire du tout. Mais c'était beaucoup. Combien ouais, c'était beaucoup. Ouais. Y a eu l'année avec Rogue, il y a eu la première Coupe du Monde qui s'est faite avec le 6, et puis c'est parti. L'Overwatch League se lance. T'es directement dans une grosse, grosse équipe, en tout cas pour la fan base, clairement l'une des plus grosses. Tu te retrouves chez Los Angeles Valiant. On a reçu la semaine dernière Damon, qui était avec nous, qui était assistant coach de cette équipe. Quel bilan, excuse-moi, tu tires de cette année en Overwatch League, de cette première saison? Bah, très satisfaite. Notre objectif, c'était de finir dans le top 3. Donc, on est arrivé en demi des playoffs. Ouais. Déjà, quand tu arrives en playoffs, c'est déjà génial. Et d'arriver en demi, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, on est une des 12 équipes à l'Overwatch League et on est dans les 4 premiers. Donc, c'est incroyable. Sur donc, moi, général, je dirais... Vous étiez même deuxième à la fin de saison, si je dis pas... Ouais, on a fini deuxième derrière New York. Et quelque chose aussi d'incroyable. Une belle performance. Donc ouais, une performance réussie, objectif réussi, satisfaite. Une victoire même de stage. Aussi, oui. On est la seule équipe western, mi-western, mi-coréenne à remporter un stage. Il y en a eu une de London et deux de New York, et ouais, nous, on était la quatrième. Ah, donc quand même grosse. Et puis en plus, enfin, non seulement grosse année, et en plus, t'as été quasiment présent sur tous les matchs, si je dis pas de bêtises. Mmh. Tous les matchs, à part un peu la stage 3 où je partageais mon playtime avec Bunny. Avec Bunny, c'est Bunny qui est mon remplaçant. Sur Tracer, quand Tracer était encore beaucoup plébiscité. En gros, c'était toujours de la live et le coaching staff a décidé de me mettre en e-scan spécialiste, c'est-à-dire de jouer tous les personnages où quand tu tires, c'est instantanément. C'est tout ce qui est Fatal, McCree, Soldier. Et du Soldier, coup... c'est pour toi, t'as vu? Je t'ai dit, on s'est croisés. Et du coup, ça a permis à Bunny de plus se focus sur la Tracer et moi. Toi, t'as fait ça exprès parce que tu savais qu'on avait plus besoin de Tracer dans quelques temps à cause de la vraie guide qui arrivait. C'est pas genre. Non. Moi, je suis joueur, j'ai le droit de rien. On m'a dit. T'as bien fait la tête du mec énervé, en tout cas, qui te l'a dit. Bah, ça s'est très bien passé avec Fatal. T'as réussi à duel les meilleurs. T'as même, pour les All-Stars, là, récemment, t'as joué, t'es arrivé top 4, il me semble. T'as perdu contre Surfour qui a gagné et t'as perdu à un point près. C'est ça. Clairement, sur Fatal, t'as eu le niveau, t'as réussi à bien changer de joueur. Alors, moi, j'ai une petite question. On a vu ton numéro qui est juste là, au-dessus de mon doigt. 99, tu l'as choisi à cause de la vidéo d'annonce de l'Overwatch League où il y avait un joueur qui s'appelait Crusher 99, c'est ça? C'est ça. À la base, je voulais un numéro. Porte-bonheur, genre le 4 pour moi, je voulais le 14, enfin, j'avais plein de numéros que je voulais, même le 24. Et Nko, il faisait « Ah, mais c'est moi le 24 !» Je voulais le 14, Verbo était « Non, c'est moi !» Enfin, tous les joueurs se battaient pour les numéros que je voulais. Du coup, j'ai fait « Bon, allez, ça me saoule, 99 !» Et t'as pris le 99, bah, c'est plutôt stylé. Et du coup, bah, clairement, tu mérites, parce que là, honnêtement, j'ose le dire, pour moi, t'es le meilleur français de l'Overwatch League et tu nous as très très bien présenté cette année. Je t'as été présent sur 84 tous les matchs. T'as réussi, comme tu le dis, à switcher de personnage en cours de route. T'as réussi à partir. On t'a vu jouer Reaper, on t'a vu jouer Soldier, on t'a vu jouer McCree. Reaper, ça n'a pas duré longtemps, mais je m'en rappelle. On t'a vu jouer Brigitte plus récemment. Donc, c'est sûr que voilà, t'étais ce qu'on appelait un OTP, c'est-à-dire un One Trick Pony. Traduction en gros, je ne joue que ce perso-là sur Tracer et t'as réussi à juste diversifier et à devenir titulaire permanent pour l'une des meilleures équipes de la Ligue. Donc franchement, chapeau bas à toi, clairement tu mérites ce qui t'arrive. L'actu du moment du coup, bah, c'est forcément la Coupe du Monde vu qu'on se retrouve aujourd'hui pour ça dans l'émission. Pour l'instant, équipe de France, t'as gagné tes deux premiers matchs. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu es mentalement avant de commencer contre l'Italie en sachant que contre l'Allemagne, un peu plus tôt dans la journée, ça n'a pas été facile? Ouais, contre l'Allemagne, je pense qu'on a un peu baissé les bras avec la victoire des Pays-Bas. Donc, on a lâché les bras, on s'est fait une petite frayeur. On a repris rapidement nos marques et on a réussi à concrétiser. Mais juste après, de base, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, certains voulaient faire une sieste parce que deux matchs dans la journée, ça reste éprouvant, c'est quand même compliqué. D'autres faisaient de la compétitive. Et là, on a dit non, tout le monde va rester, tout le monde va faire de la vaude revue ensemble. On va regarder nos erreurs et vite régler ce problème contre l'Italie. Donc voilà. Voilà, et comme l'avait expliqué Damon la semaine dernière, il a voulu partir sur le même map pool que le match contre l'Allemagne pour vous prouver à vous-même que vous étiez capable de mieux faire. Exactement. Ça t'a fait quoi quand il t'a expliqué ce choix? Ouais, on était là à décider des maps et il a fait on va reprendre route,
vous allez remontrer qu'on est bon dessus. Vous allez voir que hein, c'est juste parce que vous avez baissé les bras. Et on va travailler ça. Il limite bien. Oui, c'est vrai que ça a dû se passer. On était déjà la semaine dernière, là-bas, en une seconde. Alors, bon, on peut le dire, l'équipe de Rogue d'avant, il y en a beaucoup de l'ancienne équipe. Il y avait également beaucoup de joueurs de l'équipe de France. Il y a tout le monde sauf Nox qui est présent. Il y a eu Ben Best et Poco qui sont arrivés en plus, qui n'étaient pas forcément des joueurs avec qui tu avais beaucoup joué. Est-ce qu'il y a quand même les automatismes qui sont revenus? Et à quel point il a fallu retravailler la synergie d'équipe? Alors, les automatismes, pas du tout. Ah ouais? Non, pas du tout, parce que la méta a changé. Avant, c'était énormément de dive, on était tous habitués à dive. Donc la composition avait... plongeon très agressive, Winston, Diva, Tracer. C'est ça, on avait nos stratégies. Maintenant, bah, c'est très différent. C'est soit de la double sniper, soit c'est de la GOT, on appelle ça 3 supports, 3 tanks. Et du coup, c'est totalement différent, les stratégies sont différentes. Et comme certains n'ont pas fait, par exemple, Wins n'a pas fait leur Watch League, il y avait beaucoup de retard sur l'aspect stratégie de tout ce qu'on avait à la Watch League. Donc, nous, en tant que joueurs Watch League, on a énormément apporté à Ben Best et Wins et Nico. Et Nico, ouais. On a donné tout ce qu'on pouvait donner, notre expérience, comment ça marchait à la Watch League, les compos, et voilà. Nico vous a quand même aussi apporté, j'ai pas envie de dire Nico, mais plus les Eagles, parce que eux, pour le coup, en Europe, ça faisait longtemps qu'ils jouaient cette composition, et c'est devenu la composition qu'il fallait jouer. Du coup, je sais que vous êtes beaucoup entraîné contre eux. Est-ce que pour toi, ça a été un facteur qui va vous aider dans cette compétition? Ah bah Nico, c'est la carte maîtresse de l'équipe de France. Il a énormément joué chez Eagle en GOT, donc 3 tanks, 3 supports. On va dire qu'ils l'ont masterisé. Ouais. On a joué contre eux toutes les compos possibles pour les contrer. Ils ont réussi à contrer même ceux qui marchaient de base. Le lendemain, ils arrivaient à la contrer. Ils ont fait énormément de boulot pour ça, pour qu'ils soient impeccables sur cette compo, et parce que cette compo, c'est la plus forte. Si t'es Eagle, personne ne peut te battre, pour moi. Là, tu dis qu'Eagle aujourd'hui est supérieur. Genre, si tu mets Eagle dans la Coupe du Monde, à part la Corée, personne ne peut les arrêter, tu penses? Même la Corée ne peuvent pas les arrêter. Ok, d'accord. Ah, la compo GOT, pour moi, c'est la méta et que tu ne peux pas la contrer parce que c'est trop difficile. Tu peux contrer, mais c'est trop difficile et que si tu fais la moindre erreur, c'est fini. Ok, ben que la GOT. En plus, on en parlait avec Fefe et j'imagine que vous avez eu cet enseignement-là en jouant contre les Eagles. Ils ont non seulement la composition de base GOT, donc 3 tanks, 3 heals, voilà, avec des variantes, mais justement, chaque composition qu'on leur offre en adversaire, en répondant, ils arrivent à l'adapter avec un chopper qui va intervenir, un petit zen qui va popper alors qu'à la base, il n'était pas là, etc. Donc, ils ont tout prévu pour tout contrer. Et c'est ça, en fait, leur vraie force. C'est qu'ils gardent la même structure, le même mode de jeu, mais avec toutes les adaptations qu'il faut pour tout contrer. Et le fait d'avoir Nico et qui sait tout ça, il nous fait progresser très, très vite. Et ça nous met vraiment en confiance pour la BlizzCon. On va pas forcément parler de la saison 2 qui va... On va parler forcément, pardon, de la saison 2 qui arrive. Il y aura une équipe parisienne. Ça, tu as dû entendre parler. C'est une certitude, ça a été annoncé par Blizzard. Quel est ton rapport avec le projet? Tu es comme Damon la semaine dernière qui nous a dit « Bah écoutez, moi j'ai signé avec Valiant, donc je ne peux rien y faire. » Ou est-ce qu'il y a la possibilité pour toi d'être changé d'équipe et potentiellement de venir représenter Paris? Bah, moi, c'est pareil que Damon. Hein. Quand t'es sous contrat dans une équipe Watch League, tu peux pas choisir librement ce que tu veux. Comme j'ai dit beaucoup de fois, bah, n'importe quel joueur français aurait vraiment aimé de représenter Paris, moi inclus, mais voilà, moi je suis chez Valiant, donc c'est pas mon ressort. Ils t'ont contacté ou pas du tout, du tout? Ah, moi je sais pas. En tant que joueur, tu peux pas savoir qui te contacte. C'est pas toi qui contacte directement. C'est uniquement Valiant qui gère tout ça. Ok. Toi, t'es là, t'es concentré sur le jeu, c'est tout. Moi, je suis là, je fais coucou, ça va. Tu fais sous. Regardez, je suis fort. Faites ce que vous voulez de moi. Eh ben, écoute, c'est plutôt cool tout ça. Alors, petite dernière question. Shanghai Dragon, t'en as pensé quoi? Shanghai Attention. Dragons. Allez, on passe à la suite. Point.